Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, bienvenue dans l'émission pour la Haïti 360. Quelques fois, un individu, un groupe d'individus réalise une action et action ça par rapport avec côté extraordinaire que le gagné, un meilleur un exploit. Parce que conditions pas forcément réunies pour permettre que l'action ça justement lui-même été faite. Gagner, ça nourrit le courage, gagner, ça nourrit les volontés qui accompagnent le monde, ça, par rapport avec le contexte difficile, la vie la donne, et niveau d'action que lui-même vient nous poser, qui permet que, en plus, l'autre monde dans la société est fier de lui, famille fier de lui, et même action qu'on a un rayonnement international, tellement action, ça, porte-t-il, vini paraître très large. Et par rapport avec action que n'a pas parlé là, sélection U20, là nous connaît contexte difficile côté moun a joué football en un pays ça. Mesdames yo rend pays fier de yo par rapport avec action que vous posez, non seulement qualification pour mondial U20 qui c'est un événement historique parce que dans zone dans Caraïbes là, dans CONCACAF là, mis à part les grands énormes pour les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pratiquement, si équipe de petits pays insulaires n'ont pas jamais qualifié pour aller dans une compétition de telle envergure. Et ça vient d'avoir une note encore plus positive à qualification ça que nous avons gagné pour le mondial, ça qui se fait en France, et qui a continué et avec une finale qui va le faire entre l'Espagne et le Japon. Cependant, sélection haïtienne, j'en ai dit par rapport à des contextes difficiles, nous avons des conditions pour jouer au football dans le pays d'Haïti, pas vraiment gagner des stades qui appropriés, question économique dans le football là, en Haïti, pratiquement pas gagner ça. Et mes qualifications, ça, non seulement l'historique, et comportement d'ensemble, mesdames, nous, par rapport avec trois matchs que vous avez joué avec des adversaires aussi compliqués que le Nigeria, l'Allemagne. Eh bien, c'était des performances assez acceptables. Là, nous connaissons ces pièces nous utiliser pour nous préparer. Alors que l'autre, nous, même, c'est des millions que nous avons dépensé sur plusieurs années eh bien, pour préparer l'athlète Paye. À ce moment-là, nous avons manqué à l'obligation, si nous ne pouvons pas rendre hommage à mesdames ça, pour performance ça, que au bail qui permettent que le pays a, et dans son ensemble, même le des voix discordantes, mais vivez fier de vous-même par rapport avec ça, vous avez accompli, parce que nous ne pas critiquer du tout, et nous montrer, et nous avons place pour nous jouer, parce que cette table, là, nous connaissons ces pièces nous utiliser pour nous préparer, alors que l'autre, nous, même, c'est des millions que nous avons dépensé sur plusieurs années, et bien pour préparer l'athlète bail. À ce moment-là, nous avons manqué à obligation, si nous ne pouvons pas rendre hommage à mesdames ça pour performance ça, que au bail qui permet que le pays a, et dans son ensemble, même le des voix discordantes, mais vivez fier de vous-même par rapport avec ça vous avez accompli, parce que nous ne pas critiquer du tout, et nous montrer, et bien nous avons place pour nous jouer, parce que performance nous vivez dans un niveau performance grand ténorio au niveau mondial. Maintenant que nous éliminons, c'est vrai, nous rentrons la caille, nous, la grande question qui revient, c'est qui ça va passer après. C'est vrai, il y a l'espoir qui gêne à partir de performance là, mais l'après, ce sera quoi? Et c'est ça que nous allons découvrir à ce soir, dans l'émission pour là, Haïti 360, avec un invité que nous connaissons, ou même qui dans le football, en un pays, ou qu'on est bien, et qu'on apprend à entendre dans l'émission pour là. Nous allons découvrir ensemble tout de suite après pause. Yves Jambard, c'est un gros nom en football là, surtout dans l'organisation de football, parce que c'est président de la Fédération Haïtienne de football, et son monde qui est dans le football depuis longtemps, tout, c'est un des anciens chroniques sportifs que nous avons dans le pays. Donc son personnalité, en quelque sorte, pour le monde football là, elle est qui passe les présentations. Et d'amio, et surtout nous connaissons un monde qui permet que le football féminin, elle est vivant en un pays ça. Même le, dans pile problème, il fait ça en pile difficulté, mais elle a toujours fait le nécessaire pour le football féminin en pas mourir. Que ce soit à travers le rôle que nous jouons dans les Tigres Tigers, tout le monde connaît Tigres qui s'est représenté elle est comme club de football féminin. C'est lui-même qui a été pour nous recevoir pour vous en même sur ça. Docteur Yves Jambard, bienvenue dans Haïti 360. Merci, bonsoir. Je suis bien content de vous faire tourner dans la carrière là, presque 30 ans après. Et c'est un plaisir de partager quand même. Belle expérience ça, belle étape que l'expérience a atteint. Et peut-être un peu le monde pensait que c'est un hasard, et c'est un coup,
nous toujours une obsession, particulièrement dans le football, mais particulièrement dans le football féminin, où Haïti est franchi en état. Raison, c'est que d'abord nous sommes pays tradition football. Raison en tout, c'est un pays que le football féminin Haïti depuis 1958. Ce n'est pas deux équipes haïtiennes qui étaient jouées, c'est plutôt deux équipes de Costa Rica qui étaient venues présenter un show ici. En 71, nous commençons et surtout nous commençons sur de bonnes bases. Commencer sur de bonnes bases, ça veut dire que nous commençons dans une atmosphère euphorique avec quand même des dirigeants de qualité. Mm-hmm. Pour oublier, par exemple, pour parler de moi-même, même quand je parle de Zami, mon confrère, mon qui initie la chronique sportive, là, Jean-Claude Sano, qui était à un moment donné peut-être tout premier journaliste sportif vraiment d'envergure. Et c'est lui-même qui était arbitre pour mes matchs. Et c'est lui-même, moi-même, mais en pile amis qui m'étaient à l'école de médecine, Calanri, docteur Lévesque, docteur d'Amboville, capitaine ou général Roland Chavanne, Théogène Morin, enfin, c'est-il, Dev Dame, docteur Dassy, Maryse Gardel, Lévesque, en pile, Nicole Dassy, en pile, nous nous sommes senti que le mouvement ça a été tellement soulevé de préjugés que nous t'ai décidé, nous-mêmes, nous t'ai jeunes étudiants à l'époque, côté Oran, t'ai gagné de vrais slogans comme mesdames, le papa enfanté encore, ou t'y fille à tout petit garçon, et qui t'ai empêché en pile famille qu'on ferait. Donc, je vous ai bien configuré à tout son obstacle lié justement à l'éclosion du football féminin. Énormément. Des préjugés énormes. Bon, on a eu quand même des pionnières, des Mounkourou, Antoinette Gauthier, Jacqueline Gauthier, Rosiane Verdier, les sœurs Mauricette, Vertulie Vincent, Néla Joseph, en pile là-dedans. Parents, t'es bien avec nous, parents, confiez nous. Et nous-mêmes, nous devons être moins de détails. Nous cherchons des arguments scientifiques, nous cherchons des arguments techniques, nous cherchons des arguments moraux. Même nous-mêmes, à l'époque, qui était l'école de médecine, qui était vedette, troisième, quatrième année, on connaît l'homme de l'école de médecine, nous sommes sur l'école, tout le monde a toute société, c'est où? C'est vedette. C'est tout le bagage, Massaï. Nous étions campés sous le vacabondage, sous des ordres, sous Flanin, sous Bachelambal. Parce que nous voulions quand même que le mouvement qui a commencé à avoir un maximum de sérieux, maximum de crédibilité. Nous avons commencé avec Grégoire Chérubin, qui était président de nous, Rosiane Verdier, Jeannette Chérubin, et Daniel Augustin, toutes ces grandes vedettes de l'époque, Lette Simon, tout le monde, deuxième génération, Aguerina Faubert et Woodland Jacques. Nous t'ai fait tout effort. Nous t'ai commandé l'équipement jusqu'en Allemagne, la Adidas, pour nous t'ai cabé crédible. Alors, nous t'ai fait un club organisé avec des statuts. Et j'étais pareil du côté des Amazones avec Ingénieur Ville, avec Camille Rouchon, avec les gladiatrices, avec les frères Carré, Major Eliazar, et l'autre club qui venait par la suite. Nous t'ai parti sur de bonnes bases. Et on pensait que c'est nous qui avons le premier match international en Caraïbes. C'est nous qui avons joué en 1974, avec visite Stade de Reims. On croit que c'est la première équipe haïtienne qui a fait tourner en Europe, première équipe féminine haïtienne. Nous étions en 1976, nous avons fait tourner en France, nous jouons avec Saint-Maur, nous jouons avec Reims. L'histoire est vraiment longue et une lettre de noblesse. Donc, nous commençons sous base que nous faisons avec un pile détermination, avec la vie sérieux. Peut-être chemin faisant, même si en pile là, dans Yovine Mouri, en pile pas là encore, mais tout toujours conservé. Et volonté de Jacques, Milan Teleus, Sylvia Teleus. Vin bay football féminin ont l'autre dimension en un pays qui vient pousser pour un pile jeune demoiselle à commencer le football. Moi, nous sommes un jeu bol à Kaïmoué. C'est à partir de l'expérience là, dans l'éducation du monde, ça, c'est vrai, nous pas qualifié, mais qui va permettre que jeune Timon, vraiment jeune Tifio, et commencer et entrer en un football là tout bon. Mais deux générations ça, pratiquement, grand pile monde. Mais il y avait quand même un problème à l'époque, c'est que le football féminin n'était pas reconnu par la fédération. Dans un moment, la fédération était carrément combattue, opposée à lui.
pour soi ici Sainte-Thérèse, nous sommes obligés de jouer. Il était passé l'ordre pour ne même pas jouer. Bon, nous étions un pays à l'époque, on cherchait relation gouvernement, nous venons tomber sous président Duvalier, nous venons tolérer nous, jusqu'à ce que le financement tourne pour nous en France, et puis là nous tournons une lettre de noblesse nous. Chance pour nous entre temps, Jean-Avelange, vient président FIFA, il vient autoriser ou tolérer le football féminin. Laisse ça nous-mêmes, Port-au-Prince, nous demander, après tout, on est fait en France, quand même 5 victoires, une seule défaite, nous demander fédération affiliation, nous demander affiliation. Attention, nous demander affiliation, hein, mais le football féminin est une activité marginale. Fait pour une commission que Jean-Claude Sannon était prêt à la fédération hein, et en 91 d'abord, avec maintenant Guy Alain, Pilsan Misayo, et Philippe Belot, Raoul Jacques. Nous te prenons en charge avec Antoine Tassi qui était vivant à l'époque. Nous te prenons en charge de l'organisation premier éliminatoire, premier championnat du monde qui t'a fait. Pour rappeler nous le stade là, nous faisons tout noir, tu as pris le succès, président Aristide paye à tel état de euphorie. T'es une euphorie, président Aristide tel en match, ex-président Préval t'es aidé nous dans le financement et le stade était rempli à chaque match. Et me songez tout, le pouvoir football là t'es manifesté première fois. On va songer cette époque, les États-Unis t'ont fait attaquer l'Irak avec l'opération Tempête du désert. Et tout le monde a tonne, c'était l'époque, t'es qu'on a un mécanisme poussé avec l'arrivée de Laval à son pouvoir. Et puis tout le monde a tonne, je parle même. Dilapider l'équipe américaine. Et puis après, l'équipe américaine arrivée dans ce stade-là. Ah, c'est de la puissance, les mondiales. Démonstration. Il était même désigné l'équipe-là comme la tempête du désert. Il y a tout le monde 12-0. Il y a Mexique 12-0, il y a Martinique 12-0, il y a Haïti. C'était composé à l'époque qui était vraiment un succès et tout à quelques années après encore continué à rouler qui était fait vraiment pile succès dans le pays. Mais de 1991 à 2018, sans pile de temps coulé, et nous gagnons un succès avec participation ça, de Haïti dans la Coupe du Monde. C'est pour moi qu'ils sont en l'air tombé. Nous n'avons pas vraiment des championnats pour jeunes filles vraiment dans le pays. Qui j'en nous t'es mettre sélection ça à camper, qui j'en de la sélection joueur et qui non, qui t'y donne à vous nous mettez dit de tout ça dit en Haïti. Ça se dit là en plus le monde dit c'est pas vrai. Haïti c'est le premier pays de l'Amérique à avoir un championnat depuis 72. Nous avons une coupe féminine, nous avons une coupe Châtelain, à pour un moment donné intérêt la coupe internationale de la femme depuis 72 sans désemparer. Toujours mon championnat. Alors, je parle de championnat pour seniors, je parle pour jeunes timounes. Oh oui, mais alors les catégories inférieures. Oui, dans la catégorie inférieure, c'est surtout pas oublié quand même. L'autre voit un garçon où il veut tout jouer. Timoun a dégagé là. Là, c'est un petit c'est montrer le jouer. Donc, jouer une équipe timoun à l'époque pour prendre fille. Pour prendre une fille, il faut qu'il y ait autorisation par an, pas qu'il y ait rien dans le centre Port-au-Prince. Imaginez un petit monde qui habite Carrefour, un petit monde qui habite Carrefour-Feuille, un petit monde qui habite machine de transport. Pour prendre un petit monde, ça saute l'école, ou à l'antenne, juste la plaine, après retourner avec lui, il était difficile pour absorber un petit monde plus de 4 fois par semaine. Alors, comment choix a été fait pour nous sélectionner, mesdames U20O, pour nous être capable de construire sélection U20O? Non, ça c'est une autre histoire. Je te dis que. En 2000, les nouvelles de la fédération ont décidé que les filles ont le même pouvoir garçon. C'est-à-dire, même sa fédération fait pour garçon, c'est même sa fédération fait pour filles. Nous participons dans le premier championnat 19 pour le filles. L'équipe qui était Natacha Cajus, Dalen Boutico, Magali Lundi, en pile là-dedans, nous sommes allés dans le premier championnat. Nous avons perdu devant les États-Unis, mais nous avons battu tout l'autre de 1-1, 3-1. Nous continuons avec l'idée que faut nous excellent. En 2004-2005, au songer, nous transférer toute équipe nationale nous en Saint-Domingue pour était difficile pour te jouer en Haïti à cause des situations politiques là. Nous toujours une volonté faire équipe permanente là. En 2007-2008, nous commençons un programme pareil permanent avec Jean-Yves Labaze qui était bonne en sélection U17 qui était charmé mon dans stade là rempli avec madame Lescouflet qui est présidente de Ligue là à cette époque. Et malheureusement, le tremblement de terre, à l'époque, nous avons qualifié pour Yam dans le premier et deuxième tour. Le tremblement de terre, nous avons perdu pour Jean-Yves Labaze. Et nous avons tellement d'obsessions montées, en 2012-2011, nous voyons toute équipe féminine, 49 joueuses
aller aux États-Unis pendant 3 ans. Nous étions à l'Indiana, nous étions contre Chekbowski, qui a accepté de recevoir nous, le ministère des Sports, ben nous, un petit peu d'assistance, voyons un agent de poche, ben, mesdames. Chaque année, la période qui fait bon, yo, la période va depuis 7 mois l'année, mesdames, yo, allez, yo fait 7 mois Indiana, yo joué Women's International Soccer League, que les États-Unis étaient organisé, les résultats n'étaient pas mauvais, au point que nous te battons tout le monde, les nous rivés, les États-Unis, le groupe noir, nous perdons tout le temps ça, 6 mois, 7 mois chaque année, puis avons un championnat quasi semi-professionnel, avec un visa de touriste. Alors, l'ambassade des États-Unis m'a dit nous régulariser situation et visa Simonio. Et comment arriver à sélection U? Malheureusement, à une base qui est plus bas. Nous avons trouvé, après toute étude nous fait, toute analyse nous fait, que pas gagné pratiquement sport à l'école. Donc si nous ne prenons pas Simonio, bonheur. À peu près l'âge puberté, 11-12 ans. Et les spécialistes reconnaissent ceux qui étaient le petit monde qui a développé ceux qui étaient le commencé qui étaient en menstruation. Il y a des transformations physiologiques et biologiques qui font l'école, qui fait que l'apprentissage technique physique n'est pas faire. Bon, nous décidons, à partir du tremblement de terre 2010, là, on a eu une énorme sympathie. L'Allemagne est venue nous offrir son assistance. Nous dit l'Allemagne, nous avons un centre de formation, même genre à tout le monde. Et l'Allemagne, te font match au Songez ça, à Munich. Et Matcha a ramassé un paquet de corps, de grandes vedettes comme Gerd Müller, Beckenbauer, Boris Becker, Aldair, des étrangers vivants qui participaient dans la collecte de fonds. Et je crois qu'ils ont ramassé une somme qui est égale ou supérieure à 1 000 000 €. Lorsqu'on a dit ça pour nous faire, nous dit bon, nous avons besoin de construire l'école. C'est ça qui fait l'école quand nous, que nous gagnons, sont firmes allemandes, qui est les Site Heinz, mais tu gagnes Rotary allemand, tu gagnes plusieurs organisations de bienfaisants. Et tu vois une compagnie allemande d'ailleurs, qui est les Loup, vient construire pour nous. Ils avaient accepté de construire les Allemands à la seule condition que l'école n'a qu'à fonctionner. En fédération qui n'a pas de budget, qui n'a pas de moyens, pas qu'à fond l'école fonctionner. On s'est adressé à l'éducation nationale. Michel Éducation nationale dit, il répond à la payer professeur, à condition que nous baillons CAE là pour au fond l'école pour tout le monde qui n'est pas bon dans la zone. Finalement, côté de l'argent pour que l'école là fonctionne. Non, bâti à la CAE. Nous commençons avec l'éducation nationale. Effectivement, les 2 premières années, le ministère de l'éducation nationale ouvre les payés première année pour nous. Malheureusement, il paye première année seulement. Jamais payé récemment. Et il y a même l'école Paroactan, l'école très prisée dans la zone. Parce que FIFA t'a souhaité, le papier est sorti là. Il était déchouqué en 2004. Il était écrasé, volait tout matelas, volait crasé, découvrit caillou. Donc FIFA t'a souhaité que l'école serve un petit peu à monde qui est dans la zone pour sentir que c'est bien. Justement, alors, justement, nous faisons l'école là. À partir du moment que l'école là, premièrement, nous avons commencé à ne pas gagner l'école là. Nous avons mis des petits dans des écoles avoisinantes, dans zone quoi des bouquets. Mais l'école, ça a des bons problèmes. Premièrement, nous ne pouvons pas entraîner le matin, les petits sont trop bonnets. Deuxième difficulté, nous avons des petits mounions pour proposer d'être les aller, c'est star dans l'école, ils n'ont pas appris assez. Et puis, troisièmement, l'école n'était pas adaptée à notre projet. Supposez par exemple, nous sommes joués en avril 2017. Nous sommes joués U20, si nous avons raté l'école. Alors qu'avec l'école, nous avons l'école pas nous, nous faisons l'école nous, le nous voulons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont concentrés en janvier sous compétition, les retournés en février, il y a l'école. Par exemple, quand pile de gens nous ont été obligés à aller en France, mais à le préparer, au pas sous l'école. Les retournés là, Kounia et l'école. Donc c'est pratiquement un programme sport-école. Son programme sport-école qui prend tout le monde 13 ans. FIFA t'a accompagné, nous étions experts venus avec nous. Et nous prenons premier point de promotion, nous passons à travers le pays. Faire des détections, faire des campagnes, faire des initiations. Nous prenons première promotion. Chaque 2 ans, nous prenons promotion fille. 2 ans après, année ça nous prenons fille, année prochaine nous prenons garçon. L'idée c'est quoi? L'organe en Haïti qui j'aime à vivre. Les gens qui jouent plus de football, qui plus quand ils travaillent football, c'est les gens qui ne sont pas bon. Bon, là pour un athlète, l'abdominal en pièce à 12 personnes. Puis elle toujours entortillé, les mal dormi, les mal mangé. Le plus souvent, ils parlent de l'école. Je vous donne un compliment l'autre jour, je fais nous récemment. Les dans l'esprit l'autre jour dans le CONCACAF là. Et puis tout le monde est venu apprendre les formes d'intégrité, formes d'éviter, comme tu as dit, match vendu. Et puis tout le monde a appris l'anglais, il n'y a aucun bafé.
yo, yo lil, yo gade, yo signe, yo mando explication. Et puis, délégué FIFA, à CONCACAF, qui a dit, oh, nous réussissons à être haïtien comme lui. Son motif de fierté. Yeah, nous comptons. Bref, nous commençons. Et, faut à mesure, dès la première année, pas oublier, nous jouons finale, Caraïbes, dans ce stade-là, en 2013. L'année suivante, l'équipe guerrière, Neville Yayo, songez, elle fait finale à Canada, ils n'ont pas perdu. Ils ont perdu leur pénalité. Ce qui veut dire que nous continuons, champion Caraïbes 20. Nous allons en CONCACAF, nous quatrième. Chaque année, nous montons d'un cran. Processus en 2016, nous battons Canada en poule. Lénal Kouaza avec le match d'appui. Nous perdons Michelin, nous perdons Neloud, nous perdons Magdala. Et force nous perdu, au fait que nous perdons le match qualification pour aller en Coupe du Monde. Le Canada débat nous 4-2. Par la suite, nous continuons de travailler. Et c'est cette même promotion qui était fait, qui était champion U15, vice-champion U15. Qui nous avons 13 ans derrière nous et nous avons 11 ans. Et l'ambition cette année avec coup nous prend, nous sentons que faut nous plus de monde qui joue pour avoir un avantage plus large, pour nous plus de compétition, pour nous plus de concurrence en team. Alors nous allons prendre team beaucoup plus tôt qu'on hier. Nous allons prendre depuis 6 ans, 7 ans à travers plusieurs villes de province. FIFA ne souhaite pas que les enfants laissent leur famille trop tôt, mais nous prenons et finalement, sans FIFA Gola parler de la crème, mais en espérant que le pays comprenne. Qui ça fait là? Nous avons un grand centre au CAI, nous avons un grand naïf, nous avons un grand au CAP qui recevra autant de promotions. Nous avons un grand pour nous poser des problèmes structurels football là, justement, en ce qui a trait à l'infrastructure sportive que nous manquons cruellement en Haïti, mais également financement et participation du secteur privé dans le football en Haïti. Un championnat qui a fait là pratiquement sans sponsor. On a bien pour nous poser des problèmes ça, mais en attendant, nous avons proposé de tourner pour nous faire le point autour de sélection U21 qui est prétexte, la prémisse pour nous faire émission aujourd'hui. Nous tourner tout de suite après pause là pour commentaire avec Dadé. Haïti 360, n'a pas les football avec Yves Dadi Jambard, président Fédération Haïtienne Football. Là, il a fait le point autour de participation sélection haïtienne U21 hein, mondial. Qui a fait en France, qui est pratiquement arrivé dans la dernière ligne droite, puis avec finale là qui a pour fait contre l'Espagne avec le Japon. Alors, et question que nous avons abordée avec Dadou, c'est plutôt un historique de football féminin en Haïti, parce que Haïti, son pays, le monde qui a supprimé partie de l'émission, car c'est là qui a une grosse tradition de football féminin, et il y a des exploits déjà habitués faits, bien que ça que ce fait là, c'est peut-être exploit qui est plus retentissant en un domaine. La sélection U21, c'est mon sélection, Jean Dadou t'a expliqué là que ce enlève ton bâtiment. C'est tout un programme sport école qui permet que de constituer sélection. Mais en entrée d'Adou de manière, nous avons dit, et beaucoup plus détaillée, dans qui gens ont été procédés, et bien pour nous dériver, non seulement sélectionner les joueurs, ça, mais pour nous quimber autour et à l'entraînement, en dans cette langue, un environnement qui permet que vous remettez performance là, que vous remettez là, je veux dire. Bon, les enfants qui sont au centre, petits filles particulièrement, les petits garçons, ils sont sortis souvent et ils jouent en club. Et ils n'ont pas arrêté aussi longtemps, parce que depuis 16 ans, 17 ans, ils ont commencé à délivrer performance. Club ici en Paris. Par contre, les clubs en Haïti, les clubs féminins, ils n'ont pas de gros ressources, ils n'ont pas de gros moyens, ils n'ont pas de gros traditions. Ils sont capables de permettre pour un entraînement poussé. Donc, nous avons eu des bouquets. Il y a l'école sur place du 1er janvier au 31 décembre. Ça arrive par exemple semaine ça, il y a 3 ou 4 jours, juste pour y a saluer les familles, se ressourcer. Mais dès jeudi, il y a pour retourner encore, puisque il y a clairement visage prendre, il y a tout. Nous connaissons que nous avons un avantage, c'est la disponibilité de Timounio, mais nous avons des avantages, c'est que justement, aspect compétition, aspect nombre de matchs. Et puis nous connaissons tout que. Et de vous lâcher, automatiquement, il commence à baisser. A dit, l'autre dit, moun nan la gué la ria, dit dans la ria, la kali, ou par contre, comment manger aïe, probablement dormir en pas même gens, soins en pas même gens, et entretien en pas même gens. C'est une longue pratique permanente. Ti moun sa yo, y entraîne matin. Vers midi, les pas gen l'école, yo krasé gym. Le ou vini, après-midi, yo ka gade match, yo ka amuse yo, après-midi. Près de 5 fois sur 6-7 en semaine, ils ont entraîné. Les ont pas entraîné tout, ils ont combattu les calcio, ils ont joué match. Et le plus souvent, comme elles ne sont pas très très nombreuses,
yo joue match en pile à Tigasson. Après, on a gris. Alors, justement, une critique football haïtien qu'on vient, c'est le côté physique et également le côté tactique. Il y a des gens qui pensaient que le stage que nous faisons de préparation que nous faisons en France avant le mondial était décisif, nous permettre que nous ayons qualité physique, la qualité tactique, ça peut-être, pour nous gagner. C'est dommage quand j'entends pas placé pour moi à penser, à comme tu as dit, vous êtes en train de monter, mais je reconnais l'énorme travail du staff qui était avec nous. Mm-hmm. Énorme, énorme. De l'équipe qui qualifiait en janvier, qui était au coup, j'en ai dit, qui était un exploit, j'en ai dit. Cola avec une héritienne dans un premier temps, et Macola, le Vinigrad et Timounio, chaque équipe peut l'étudier, et lui monter des stratégies. Stratégie États-Unis, c'est quoi? C'est qu'un pays États-Unis en Cani. Ou après, c'est Melchida El, Dumoné, qui t'appelait de faire toute remise en jeu juste là quand États-Unis, aux ailes, parce que l'estime est centre l'axe là, États-Unis était fort, il fait jouer sous dehors. Et puis, il dit, qu'on a une chance, nous avons des super joueurs, qui est les Shirley, qui est les Nerilia, qui est les Coventina, pour prendre chance. Et il y a Kembe avec discipline tactique, ça, malgré nous perdu. T-Charles, vous songez, il était expulsé dans le match États-Unis, on a sauvé et 1-1, nous égaliser. Bon, malheureusement, l'épreuve de pénalty a échoué. Et devant Canada, il avait pensé la même chose. Il montrait Canada, tout point fort, tout point faible, comme on a doublé marquage, quel que soit côté terrain, on ne va rien jamais reculer. Nous, pas qu'un bicycle. Si fait gagner vitesse, n'a pas une kembel et puis nous bat un goal en début de match, nous qualifions. C'était un coup, c'était un exploit. Si moun qui était à fond balle 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, qui était à enchaîner passant ou pas gagner un voie boule là, j'étais genre haïtien patient, là, gagner boule là, l'empire, nous avons un problème ça. En France, moi qui dit, et là, ma collègue a bon diagnostic là pour nous le bonheur, à savoir que la formation Timoun n'a pas dit qu'il y a une faute, mais l'accès trop sur le jeu, sur le match. Donc Timoun Sao, il est agressif, il court dans tout terrain, mais il y a une grosse lacune technique et tactique. Donc il a recommencé 0-0 avec eux. Nous prenons un entraîneur spécial qui va montrer où faire touche. Entraîneur spécial qui vous montrer au fait coup franc, entraîneur spécial qui vous montrer au fait corner, montrer au corner défensif, corner offensif, et surtout lorsque FIFA vient interdit plus jeune, plus athlétique de jouer. Nous avons mené une bataille mondiale, malouet tout le monde qui gagne au monde. Et ça, c'est vraiment décisif, surtout avec Coventina qui est entré avec l'équipe là. Coventina, Tabita, Rachel, tout le monde, nous menons une bataille dans le congrès FIFA, nous mobilisons, monde par exemple comme Monique André qui forme déjà monde comme Philippe Vob qui dans le congrès qu'on cacafla le palais nous dit pas qu'à faire injustice ça. Elles ont joué, elles ont qualifié l'équipe, et puis pas quoi FIFA a raison, vos équipes haïtiennes ridicules ou faibles manquant ses meilleures joueuses, que c'est pour FIFA permettre un petit signe pour nous montrer tout ça capable avec même monde qui était de qualifié sur base que trois jeunes avant comme nous faisons des matchs là, nous faisons des matchs là honnêtement pas de pression. Mais l'ambiance d'ensemble, un événement comme ça à côté, je vous dis à les meilleures joueuses, eh bien, ils sont obligés de quitter le groupe là parce que FIFA, lui-même, il fait un genre de pour les petits gens qui n'ont pas l'âge là, ils ne peuvent pas jouer. Il n'est pas cassé l'ambiance groupe là. Comment ça fait? Il n'est pas cassé l'ambiance groupe là. Il est cassé l'ambiance groupe là. Et un petit monde qui. Les enfants de, qui étaient participés dans la qualification, mais qui étaient bloqués là-bas et FIFA, ils ont passé même par des idées noires. Leur délégation vient pour le parti le 27 mai. Si vous vous cachez, nous consolons Dieu, vous pouvez aller en Colombie, vous pouvez aller le 17, mais vous n'avez pas qu'à comprendre la justice, ça. Comment faire, vous qualifiez l'équipe là, et puis le règlement qui prend après, qui interdit au parti. Bon, nous avons mobilisé toute forme qui est dans FIFA, nous avons Kébé président Kout. Comme nous l'aide recevoir, l'aide dit le recevoir, il va instant diriger, il dit ah, on n'y a pas de diplomatie à faire. Jusqu'à ce que quelques. Là, nous sentons que nous sommes bons, ou même si nous ne sommes pas bons, si nous sommes tellement déprimés que le 1er juin, le 12 juin, tard dans l'air, fin de jouer U17 là, mon cher, nous dit
que vous prenez, que vous ne prenez pas, envoyez en France. Envoyez à le groupe là. Bon, le groupe là vient un regain. Puisque vous avez entraîné, vous avez senti l'ambiance, vous avez dit de toute façon, n'a pour faire voir en France là, n'a pas supporté l'autre. Si on va nous jouer, n'a pas joué. Mais si on va pas jouer, n'a quand même retenu l'expérience là. Nous avons travaillé, nous avons entraîné. Et là, le groupe là a tendance à dormir sous l'eau. Ou te wè tournoi sud les 10 yo, qui pas de bon. Et puis tout le monde reprend confiance, et puis vingé challenge. Tout le monde a goûté pour place qu'on y a. Et ouais, qu'au moment donné, nous décidons, voyons le groupe tourner, parce que le groupe qui était un petit abdomen qui pas de progresser assez, nous voyons un groupe de 5 tourner. Nous voyons 5 autres, 17 y aller, et on a profité pour appeler celles qui étaient aux États-Unis, qui ont même quitté l'examen qui pas là. Et c'est une bonne ambiance. Très bien. Nous avons peut-être chaque année, toute équipe haïtienne, quelle que soit la catégorie, y aller, parce que son pays football, la France, son pays organisé, son pays qui est en haut niveau, son pays qui est en pile centre, son pays qui est en pile littérature, ce jouet là, son pays de football. Et nous avons un encadrement qui est exceptionnel. Ce n'est pas même Jean-Lo, à Miami, à New York, on y a joué, on y a dit, ah, on va pas remettre rien, on va passer sur ça. Bon, image qui est dans la tête, c'est vrai, nous faisons trois matchs, nous perdons tous les trois matchs. Mais c'est des matchs tout que nous dégagons, nous avons peut-être match l'Allemagne, non, mais l'autre match, l'autre deux matchs, on dit des matchs que nous dégagons et tout. Mais ce qui reste, c'est ce sentiment de fierté qui a animé jeune demoiselle Nouyo. Orgueil, ça, l'envie de gagner. Et après chaque match, on va garder le visage, mesdames, où ouais, c'est des mouns qui viennent là pour cause vraiment et qui voulaient justement grand pays à fier de lui. Je dis ça aurait été trop facile que première fois d'aller, Nigeria a 9 participations. L'Allemagne a 9 participations, la Chine sous 7. L'État ont rendu quand même. Oui, mais dans le jeu, dans le jeu, c'est vrai. Et moi, pensez ça que mettez-nous. Femme d'un tas deux jours de renoncer au tournoi et de redonner sa place au Canada. Parce que deux ou trois jours avant, pas de comme. FIFA m'a donné depuis 30 mars pour nous confirmer, nous n'avons pas de capable. Jusqu'à ce qu'on a pu rencontrer le président, nous parler avec elle, expliquer à trois jours de l'échéance. Et puis il dit non, ok, mais l'État est en situation difficile. Mais qui ça me fait? Il dit là, fait mon relais nous. J'ai l'impression que le gouvernement sont prêts à le faire même à travers une banque, puisque c'est une banque-là qui paye directement. Et l'hôtel là, il paye les billets de séjour. Et il y a même un petit tchotcho pour nous dire. Mais c'est le gouvernement qui débloque la situation. Oui, on n'a pas dit président même, puisque pas fait. Par la suite, parce que nous venons prendre aller nous-mêmes, le ministère des Sports vient dégager un moyen qui permet nous maintenant résoudre les plus gros problèmes. Théorique, par exemple, mesdames, c'est la première fois que tu as joué avec tennis spécial. C'est la première fois que tu as joué à crampon vissé. Premier goût crampon, nous pas connu crampon, puisque je n'ai pas utilisé ça en Haïti. Premier goût crampon en acheter une paire d'yeux, parce que je n'ai pas connu crampon. Gain 9, gain 10, gain 11, gain 12, gain 13. Premier camp on a acheté, petit camp on petit, mais vissé. Et puis l'envini, mesdames, yo, c'est sous patinoire. Quelque part, l'expérience, le manque d'expérience de haut niveau également. Et c'est presque fouette ou râler pour Timoun, d'accord, mettez camp on vissé, parce que c'est pas tout à fait confortable. Et puis nous allons centre vraiment. Dans le centre, nous avons une équipe française là. Nous avons une équipe française 20 U20 là tout. Tu gagnes Paris Saint-Germain, tu gagnes Monaco, ou tu as une ambiance tout. Mais nourriture excellente, suivi médical de qualité. Nous profitons de l'équipe française là, qui est là à tout. Sélection française là, de médecins, de cadres médicaux, nous fait ouais, yo. Tout ça, il est à la sothérapie, ben, yo gagne. Mais on reprise totale. La seule chose qui nous a manqué, et c'est dommage, en France, lundi, vacances, c'est vacances. C'est-à-dire, tout le monde, j'étais en vacances. Tout le football fermé, pas de monde qui a entraîné, pas de monde joué. Donc on a passé de la période du 11 juin jusqu'à fin juillet, lorsque le club a commencé à reprendre, nous pas joué de monde pour nous jouer. C'est peut-être ça d'ailleurs, nous avons voyé quelques petits mouns en plus qui permettent, nous avons 26 l'autre bois, nous avons fait des oppositions entre nous. Nous avons fait des simulations de matchs. Et jusqu'à ce que quoi, le 30 juillet, comme ça, nous venons joindre Guingamp qui joue avec nous et puis Saint-Malo. Même si Guingamp en première division, il n'y a pas de présence, il n'y a pas de bonne opposition. Alors que tout près de nous, à 5 minutes côté de descendre,
États-Unis jouent à la Chine. C'est vrai, ils jouent à huis clos pour ne pas trouver, mais on connaît un temps mettre zone dans le cachet, dans l'hôtel, nous voyons tout ça qui a passé. Nigeria a joué avec Angleterre, Chine joue à Angleterre. Nous avons une possibilité de match avec Nouvelle-Zélande. Mm-hmm. Malheureusement, c'est à Paris. Nous-mêmes, nous sommes jusqu'en Bretagne. Le voyage aurait coûté 15 000 euros, plus une nuit à Paris. Il était trop cher pour le match. Mm-hmm. Nous étions là. Même pensé, si nous étions au match du même niveau, même Jean Nigeria jouait, même Jean Chine jouait, même Jean États-Unis, l'autre jouait, nous pensons que nous avons été jouer, nous repère nous mieux, nous avons été côté nier. Par exemple, des erreurs dans le match la Chine, nous côté, nous pas fermé l'aile droite là, assez, et puis nous prenons deux goals là pour commencer, deux goals nous gommons pour nous remonter insuffisamment, puis ce sont goals nous baillons, nous pensons que nous avons été ajustés, nous, et comme ça. Alors, l'apprentissage du haut niveau, c'est un bagage qui est facile, surtout pour nous-mêmes, si pays pour nous qui, à peine, à réveiller nous à ce qu'a fait dans le monde là, parce que quelque part, c'est pas souvent que nous avons une sélection de football, garçons ou femmes confondus, mais qui vivent dans tel niveau. C'est 1974, d'ailleurs, c'est une pratiquement seul gros référent que nous avons gagné, et bien, nous avons fait exploit ça à tout. Mais cependant, ça passe avec mesdames U20O. Les gens, on a parlé d'égalité entre femmes avec garçons, et nous pensons, mesdames, par rapport avec performance, justement, nous permettre que femmes qui sont pour arriver à égalité, à équité, parité entre sexes, nous ne font pas encore en plus. Souvent en Haïti. C'est une déception. Il y a des gens qui soutiennent nous, par exemple Marie-Laurence Lasserre, Ginette Chérubin, Ginette qui était joué football. Marie-Laurence qui a été toujours prêt, elle toujours a voué vidéo, bâtiment, motivé. Mais moi, je regrette les organisations féministes. Depuis 46 ans que le jeu existe. À part ça. Non, je ne suis pas. À part 1975, nous avons fait un couple Femina, Légèreté David, Miss Univers. Nous trouvons que nous pas accompagné nous. Je me rappelle avoir été même. Visiter le ministre de la Condition féminine, dit patronneau championnat féminin, joignez nos côtés la femme, bon conquête concrète. Patronneau championnat féminin, on va sponsoriser 2-3 clubs féminins. C'est la plus grosse conquête de la femme. C'est vraiment un grand podium. Mais il n'y a pas de montrer qui m'intéresse. Et nous pas joindre vraiment des pouvoirs publics, ça nous joindre le plus souvent ces garçons et bah yo. Alors un petit morceau à joindre. Alors qu'au niveau international, la FIFA, si tu veux, est beaucoup plus sensible à un projet féminin. Côté ces garçons qui joignent un petit pas fille, tandis qu'au niveau national, nous pas joindre le support qu'il faut pour joindre terrain, pour faire match. Regardez, là, on a commencé le football féminin en Haïti. Regardez, côté mesdames, à l'entraîner. Et puis, si monsieur Ovini, mesdames, vous venez bonheur pour qu'on entre avant monsieur, mais les messieurs Ovini, ils ont été soutenus, ils ont fait des gros shoots, des gros bagages, mesdames, des gros coups de boule, pour qu'on couille terrain en bas, et puis ils ont été négligés. Bon, c'est la nature société même. Alors, et pour nous continuer à ça, comme tout à l'heure, pratiquement, on a vivé dans société côté bas une chance. Et c'est pour un bagage qui nous fait facile. Le monde a réussi vraiment pour son porte l'entrée, eh bien, sans pile, c'est fruit en pile et fort que le monde a lui-même fait. En Haïti, avec le football féminin, c'est sûr que le football, dans son ensemble, il retrouve le grandi. Et dans le moment ça. Nous toujours une tendance pour nous bailler mon gloire sans nous n'a pas mérité, ou des mondes qui méritent gloire, vraiment, c'est pas les mêmes que nous bailler gloire. Dans le monde capable de dire, bon, pour ça nous perdit 3 matchs et puis nous jugeons que le demi-succès. Participation sélection U20 en dans mondial ça. Ou quand elle comme ça, mais nous même nous garder dimension l'espoir qui a germé à partir de participation ça. Parce que quelque part, il garde le jambon. Participation ça, c'est peut-être un moment tout pour nous penser à un relance football là, football féminin en dans pays, comme pas dit football d'une manière générale en dans pays pour attirer plus monde là. Énormément. Si le football garçon tout ça visé, c'est souvent les contrats professionnels, un langue au club, changer vidéo. Le football féminin est encore un football essentiellement de développement social. Un football qui est encore très récréatif, très de loisir. Par contre, vu que société, pays qui gagne plus de possibilités pour femmes avancées, qui est très avancé dans le football féminin, moi pensais, ouais, si nous avons ouvert 50 académies de football filles,
à travers 50, 60, 70 villes. Aux États-Unis, il y a 3 millions de femmes qui jouent au football. Il y a au moins 400, 500 000 bourses d'études dans de grandes universités qui sont disponibles. Pour encourager. Pour encourager. Il suffit qu'on fasse ça. En même temps, associer un programme d'études qui fait Timoun étudier anglais ou qui mette Timoun même dans une éducation à distance sur ça. À défaut de venir des professionnels, venir par Haïti résultat, venir faire Haïtien fier, nous qu'à changer pays à tout. Si nous qu'à joindre 50 filles, 50 000 filles, à jouer une bourse pour aller étudier au Canada, à Porto Rico, aux États-Unis, y'a ce qui est en train de faire football comme bagaille de mon n'a rien à faire, ou comme de bagaille vacabon, ou pays à bagaille l'argent pour jeter dans le domaine ça. Alors que moi, son voix, ni avec garçon, yo, contre yo, kagen, de Nekou Jean-Jacques, de Nekou Donald, de Nekou, Jeff Louis. De petits malheureux qui ne peuvent pas faire rien, en rien temps, il y a des Haïtiens qui réussissent, qui confirment, et qui sortent de la misère, et qui des mouns qui ont dans pile, mouns dans la société. Alors, par rapport avec. Alors, ouais, si nous sommes même au Brésil, même au pays d'Afrique, nous arrivons à mettre 300, 400 professionnels, image pays, non seulement nous avons changé. Toutes ces bâtiments pour le Brésil, là, dans le monde, là, malgré son société difficile, c'est grâce au football. C'est grâce au football. Pour qui ça, nous sommes amoureux de Cuba à un moment donné. Avant, nous venons faire tout ça, le fait social, médecine, c'était sport, c'était Antoine, c'était Stevenson, qui s'en dépassait de l'Allemagne de l'Est. À un moment là, oui, si vous me sentez connaître, c'est ça, on fait un sport. Maintenant, football féminin, Dominicani actuellement, bien mon abus, Porto Rico. Et Mexique, qui fait qu'on a une ligue professionnelle. États-Unis, n'en parlons pas. Dans les pays d'Europe, parce que il y a moyen pour aider un pile de monde qui peut venir de bons citoyens en faisant de bonnes études et en aidant leur alors, famille. Par rapport avec l'ouverture ça qu'on fait là, un pile de monde a dit, et stratégie que nous avons aujourd'hui, à qui peut-être bâille sélection U20, c'est-à-dire prendre un monde yo, depuis non l'âge, j'en dis à pubère, pour nous mettre dans le centre, pour nous permettre que nous jouions au football jusqu'à ce que nous arrivions et bâille. Type de performance là, il y a une limite, il faut que nous élargissions un championnat de jeunes qui a joué dans le pays. Il permet que nous mobilisions tout le monde, tout le jeune qui est dans l'âge pour jouer au football dans le pays et à travers les différentes communes pour nous faire ça. Et pas côté, quand nous projetons, si nous retirons sa FIFA, ben nous. Bon, c'est vrai, ils ont posé un général. Pour 13 millions de monde et pour être 7 millions de femmes, c'est rien du tout. Même parce que nous prouvons que nous sommes capables. Que nous avons talent, que le projet a marché très rapidement, puisque quand on a que 7 ans de 2011 à Kounia, et rapidement rentable, parce que si vous commencez à produire filles, il y a des places à prendre. Il y a des pays qui rétrogradent toujours en matière de femmes, même si c'est un gros pays de football. Le Brésil n'a pas encore de championnat national. L'Argentine n'a pas encore gagné un championnat. C'est-à-dire, pays traditionnel, football, il y a un petit retard. Ou même si on investit dans la zone ça, dans le domaine ça, ou qu'on a une énorme avance. Souyo. Donc, moi pensais que y a une place à prendre. Si vous prenez l'équipe Caraïbe, Cuba, Cap Fond, il faut sortir. Jamaïque, Dominicani, même si vous avez fait bon résultat, c'est des Américaines que vous prenez, d'origine américaine, la caille, vous prenez, vous venez faire équipe nationale, vous n'avez pas un système de formation, de développement, de promotion de jeunes. Nous-mêmes, nous prenons Américaines, c'est vrai. Pour combler des côtés, nous gagnons vide, parce que l'offre de formation, tout le monde n'est pas bon. On a gagné deux, trois postes qu'on gagne tout. Tandis que nous, on fait l'inverse. Les Jamaïcains qui vivent aux États-Unis, ils ont le prêt au collège, ils ont le prêt, ils mettent les Jamaïcains pour eux faire jouer. Je pense que nous ne devons pas penser simplement sport, spectacle, fierté. Nous devons penser développement, nous devons payer éducation, nous devons des promotions générales. Et si nous sommes capables, par exemple, ce qu'on a dit aux gens de la France qui nous demandent des choses, nous n'avons pas besoin de corps de transfert. Nérilia a joué dans Tigresse, c'est moi qui t'ai cherché. Il joue dans une équipe, mais nous n'avons jamais demandé Montpellier rien. Nous-mêmes, dit Montpellier, mettez pour l'inéer. Il n'y a pas de club. Vous ne pas comprendre que pour le club là, ça nous a demandé par représentant obstacle. Et nous dit tout le monde. Nous-mêmes, disons que, petit Mounio, si nous n'avons pas de moyens pour nous faire nous devons dégager nous pour nous soutenir tout. Parce que ce qui est important, c'est Timounio. C'est l'expérience de haut niveau, peut-être que vous permettez de jouer dans l'autre contexte, aller à l'école,
progresser comme monde et puis vinn plus bon parce que si nous quitter ici c'est sûr que yo pas prêter pas prêter dans jouet là comment d'avoir pour petit monde là l'habiter d'Elma et puis la pour camionnette Algis la plaine pour la tourner en fait noir pour le tomber mille et une difficultés non parents tout pas quitter continuer avec donc si nous pas si on arrive au niveau ça nous pas voyer au niveau qui plus avancé nous risquer passer ce côté alors c'est ça fait penser pourquoi pas remettre sport dans l'école qui plus fait une affaire de business ou des écoles qu'on gagne, qui fait sport, toute l'école qu'on fait, l'éducation chez les jeunes. C'est ça qui expliquait que, par contre, nous avons commencé à faire études là. Petit garçon, nous venons pipiti. Oui. Même petit garçon que la famille aisée, qui a mangé bien. L'un compare à 15 ans mexicain, 15 ans nicaraguayen, nous autres ça. On a dit, il a cherché des athlètes. D'abord, il est joueur. Oui, Haïti 360, on a parlé avec Yves Jean-Bor. Football, là, on a regardé pour nous, Yves Jean. Eh bien, nous sommes capables de continuer à faire de bonnes performances là-dedans. Continuer à faire Haïti paraître aujourd'hui, parce que c'est un rapport de job que nous gagnons, justement, pour nous avoir une image rapide de Haïti et image là tout capable positif par rapport avec ça nous rien comme talent mais tout par rapport avec mise en place qui t'a fait pour t'a permettre que par rapport avec Jean Médaille au football performance mondiale 2018 là mais que nous arrivé plus loin toujours si minimum ça de mise en place ça t'a arrivé fait. Nous allons retourner dans la dernière ligne de l'émission avec Yves Jean-Bas pour nous garder pour nous qui Jean. Eh bien, nous sommes capables de rallier l'argent en de football là parce que quelque part, l'on a gardé le développement. Yves Jean-Bas fait une émission ça. Pas qu'à un sport de haut niveau, sans quoi. Et quoi, justement, c'est l'élément qui manque aujourd'hui jour en de sport haïtien et en de football là d'une manière particulière. Nous allons tourner pour nous dans la dernière ligne de là, parler de ça. Haïti 360 avec Lionel Edouard, à soir on a parlé football et surtout performance mesdames yo dans la Coupe du monde U20 qui était faite en France et qui continue toujours qui arrive dans la finale là avec l'Espagne et le Japon qui va venir pour jouer dernier match ça. Eh ben nous t'a fait le point avec le docteur Yves Jean-Bor lui-même qui c'est président haïtien, président de la Fédération haïtienne de football. Côté il t'a expliqué nous dans qui ambiance en ben mesdames yo même t'a évolué dans pays la France et qui ça qui fait comme mise en place pour permettre que nous accoucher de sélection U20 ça et pour permettre que le football féminin en tout continue à vivre en notre pays. Haïti son pays qui a une tradition de football féminin et depuis 1974 elle nous gagne football féminin dans le pays de manière officielle avec un match international qui fait en notre pays et ça a continué par rapport avec mise en place qui était qu'on nous fait et nous songeons il y a plus le club football féminin avec Rondelle, les Amazones, Tigres et toute équipe ça qui a le football permettre que sport ça lui même était en vie et permettre que mesdames qu'on joigne espace pour évoluer bien que aujourd'hui nous avons l'impression nous en retrait par rapport à ça qui a fait dans les 90 mais cependant le football féminin est bien vivant et performance mesdames U20 montre ça à clair mais on y a d'adou tout ce qu'on a dit là résume en seul bagaille préparons équipe football font championnat faut gain comme il faut que le secteur privé s'investisse le secteur privé a lui-même Grégory Brandt d'attendre récemment dit club yo pas assez ba ouverture point de capital pour privé qu'a posséder et on parle là dans pour carré pour l'investir l'argent là qui ça a fait quoi problème ça existe est-ce que bon, justement on dit des spectateurs ça non est-ce que population lui-même journée jeudi là capable quoi que mise en place cap fait en dans fédération justement non seulement pour structurer le football là mais tout pour permettre que sponsors au monde secteur privé qui voulait investir joue un terrain propice pour investir l'argent. Bon, le premier moi m'a dit idée nous de jouer nous numéro 1 dans Caraïbes depuis longtemps. Nous champions dans toutes catégories. 13, 15, 17, 20. C'est un énorme acquis. Longtemps de gain pour final Caraïbes. Les gens peut-être l'ignorent. Ni filles ni garçons. Si garçon on a un petit peu en retrait sur le pays Amérique centrale, parce que là, c'est gros l'argent. Je ne parle pas de gros l'argent. Là, on prend un taux de perdition énorme. Si les gens qui ont 22 ans, 23 ans, qui étaient là, jouaient là pendant longtemps, ils étaient presque dans des conditions difficiles. Le club n'a presque pas qu'à payer un salaire. Le club n'a pas qu'à payer une condition pour les gens rester concentrés là. Je ne parle pas de faiblesse structurelle. Football n'a pas qu'à détacher de pays à jeunes. Je prends un bon exemple.
Il y a deux joueurs de très haut niveau qui sont haïtiens, qui sont nés en Haïti, ou de parents haïtiens, mais qui formaient dans de grandes fédérations qui jouaient par exemple pour la France, ou qui jouaient pour la Hollande, qui disposaient de jouer pour Haïti. Mais le club, il y a, comme il y a un grand Celtic de Glasgow, il y a un qui est en Leipzig, il y a un qui est en AS Rome. Le club, il y a un problème pour quitter le jouer en Haïti. Parce que le joueur, quand même, le club, là, quand même, investi millions en joueur. Joue à la police d'assurance. La police d'assurance en prévoit, il y a un problème, qui procédure pour suivre. Nous sommes en train d'entraîner dans ce stade-là. Il y a un groupe international qui l'a ligue française à entraîner. Puis ils font virer la pelouse là. Nous courons dans l'hôpital à côté, ou imaginez que l'hôpital est dans tout ce stade-là. Tous les trois, pas de lumière. Tous les trois, technicien radiographie n'est pas là. Les techniciens radiographie vini, appareil à pas qu'à stade. Je dis que entre temps, il y a des phénomènes qui viennent installer dans les athlètes là, commencer à avoir sang, cap en flépiel, et les rivés la cali ont menacé le quitter assurance. Depuis là, il n'est jamais venu. Parce qu'ils ont menacé pas payer assurance là, parce que mon protocole n'est pas respecté. Maintenant, nous battons au niveau FIFA ces dernières années. Nous avons réussi à imposer une chose pour petit pays. Lorsque vous êtes blessé en éliminant droit de Coupe du Monde ou au service de votre équipe nationale, à une date FIFA ou dans le championnat officiel, la FIFA automatiquement, c'est lui pour faire traitement. Mais la FIFA m'a donné un protocole pour l'hôpital d'urgence. Bon, nous ne pas de lumière. Donc, ça veut dire qu'il y a deux joueurs qui sont venus. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, Paris Saint-Germain, les Kikembe ont venu joindre nous. Paris Saint-Germain, vini, bon, moun vini évaluer. Les conditions nous gagnent. Non seulement le terrain n'a pas répondu à condition, le terrain n'a pas gagné soin, il manque pelette pour le terrain artificiel, il manque entretien. Mais en plus, infrastructure médicale, si je veux à tomber, pas gagné. Même nous-mêmes n'a pas parlé là, c'est un problème. D'après l'ambulance, ça, c'est un problème. Ça veut dire que si le pays n'a pas changé, si le pays n'a pas améliorer. Si le pays n'a pas traité les gens plus bien, si le pays n'a pas un minimum de structure et d'infrastructure, bon niveau pas qu'à dépasser. Ma bon petit exemple. Docteur haïtien étudie dans le grand pays, il a habile, il a acheté matériel, il a fait effort pour opérer les gens bien. Mais les structures de récupération, structure de rééducation, là où font bénis dans n'importe quel pays, c'est 22 jours qu'ils prennent pour le traiter. Là où font bénis Port-au-Prince, à cause de problèmes de rééducation, pas de matériel, si on en prend deux ans, deux ans dans la carrière d'un athlète, il est fini. Lorsqu'on genou, on ligament comme ça, c'est maximum six mois. Est-ce que vous êtes d'accord tout, vous êtes trop risque là, je vous dis, en dans le sport haïtien, dans le football d'une manière particulière, pour un aide qui a gagné l'argent, il a décidé d'investir là-dedans, vous êtes trop risque. Au contraire, puisque son gouvernement qui est lié, d'abord l'État, effectivement, mais l'État, tout le monde. Par exemple, là, pour un match à porte dans le stade de la 50 gouttes. 50 gouttes par fond dollars américains, non? Soulier football, là, l'aime commencer le football, soulier football de 20, 12 gouttes Camaglio. Ou bien là, oui, Pavia. Soulier football, ballon football de 20, 30 gouttes. Cognon soulier football, 2400 dollars. Soulier football, il y a un tel tabou, yuan, il y a plutôt cassé plus haut, passer le chiré. Soulier football, Cognon, sur 22 jours, un mois, là, les légers, pour frapper ballon. Longtemps, c'était ballon. Avec signe de gagner, quand on a patché ballon, ou a mettre patché ballon, quand on a ballon gagné, c'est ballon waterproof, depuis le pété, le pété. Ça veut dire que le sport est devenu. On maille au football, nous avons fait jeu maille au Caracas, 50 dollars. On maille au green football, oui, qui courait Real Madrid, qui coûtait 250 dollars. Et on est avec Cristiano Ronaldo, là, joué dans le club libre. Chaque match Real Madrid gagne 80 maillots. Même numéro 1. Donc, ça veut dire que c'est pour. Chaque temps, on pose une question, ça me dit nous. Premier bataille pour nous mener, il faut changer une bataille pour nous changer le pays. Bon niveau, nous pas qu'arriver si tout le monde n'a pas mangé. Mon petit exemple, courant qui arrive, ou absenti qui s'est pas en France. Par contre, si vous avez mesdames, vous êtes en Allemagne, vous n'avez pas de duel. L'autre statistique FIFA, ban, ni devant l'Allemagne, ni devant Nigeria, ni devant la Chine, nous avons un plus fort pourcentage de duel. C'est-à-dire qu'il y a une puissance, nous avons une agressivité. Mais qui s'en mange ici? Nous n'avons pas une bête rouge, non? Carotte, non? Parce qu'il y a des produits très rares, très chers, que nous n'avons pas produits encore. Nous n'avons pas une lettre. Nous n'avons pas une nous pas jouer parce que le pays a vint trop cher pour nous, pas gagner, pas gagner en quantité. Même je pense que physique, tu travailles avec nous, dit que, mesdames, vous avez poussé, vous avez écrit en France, à peu près 30 livres, 30 fois. 30 livres, là, dans le BFR. Il dit, mesdames, vous avez écrit 100 livres, 40 fois. Ceux qui ont amélioré.
restauration énorme et l'orade et tout, il y a bien bas, il y a un contingent réticent parce qu'il va arriver en l'air trop. Mais de toutes les manières. Donc, ce qui veut dire que si nous ne faisons pas changer le pays, nous besoin de bagaille, nous besoin d'abord définir tête nous comme sportifs. Comment faire nous? Nous pas rien, nous ne pas mettre son argent. Oui, mais au minimum, il y a un bon exemple en France, il y a une loi la semaine dernière. Là. Il y a décidé, sucre, c'est le capture dans le monde entier. Il y a diabète, il y a stroke, il y a maladie rénale. Il y a pas qu'à dire qu'il n'y a pas de sucre. Mais même moi-même, j'ai des fois où je bois un café, ou plutôt à le bas café pour boire sucre, là, ou pas brasser l'eau, ou plutôt à boire. Pays d'Europe, il n'y a pas qu'à dire qu'il n'y a pas de la liberté que nous avons. Il n'y a pas qu'à dire qu'il n'y a pas de qui ont taxé ce sucre là, ils ont mettait, ils fait sucre là cher pour pas qu'il tombe dans ce bois, pour plus les boire de l'eau, et puis comme ils prennent ce sucre là, ils investissent dans ce sport. Nous qu'a fait ça, valait cola, valait boisson fruitier à droite à gauche, nous faisons. Mais ce qui est problème, c'est que chaque fois on met ton cob, même quand on trouve des gens qui l'ont fait, par exemple quand le sénateur m'a dit c'était fait en 2001, Patrice Dumont a essayé de faire le cognac. Chaque fois on met le pouce fort, toujours on y gens sont marchés boulet, on bagarre et puis on prend. Pour qui ça on pas fait sport, hein? Et puis on dit ça pour ça. Il n'y a pas besoin de la fédération diriger le nom. Il y a quand un conseil qui gagne monseigneur, qui gagne l'église. Qui vient des journalistes, de fédération, et puis les fédérations demandent, les fédérations demandent suivant leur projet, suivant leur programme, et attribuer. Mais on ne va pas quitter sans rien. Alors, si nous besoin de ballon, on y au niveau d'Adou, nous avons fait une confession dans le pays. Il y a si bon fond pour football que nous nous faisons. Non, moi, je veux dire, il y a un pays qui fait conseil, à savoir, il faut juger le programme, ou qu'on présente un programme, et puis après, on a évalué le programme. Non, ce n'est pas où même qu'on va évaluer tête, ou faut bon monde dehors. Il y a une évaluation. Et puis, quand même, c'est plusieurs sports. Plusieurs fédérations, donc il y a des gens qui l'ont mis au Cap-Fel. Mais nous n'avons pas rien. C'est où le conseil ministère des Sports, si le ministre là, est intéressé, par exemple, le ministre Lamy a fait dernièrement. Bon, petit bagaille, tu ne peux pas planifier ou pas qu'à planifier. Comment t'as une équipe qui est efficace à essayer ou à prendre le pays moun? Et puis, c'est sous poche. On m'a l'air le campé. J'avais en tête et j'en ai discuté avec des autorités. Il a dit, le ministère, j'ai écrit sur papier, bah, l'île, 1 milliard 100 000 gouttes là, 100 millions gouttes là. Vous mettez 425 millions. Quittez 500 millions pour faire politique, pour faire mon job, pour faire mon bien, quitter la partie politique job. Bah, 450 millions au sport fédéré. Fika qu'on est le gain de cob l'année, AEC qu'on est le gain de cob, Volet qu'on est le gain de cob. Il y a même petit recette qu'il fait. Il y a acheté plus ballon, il y a soigné joueur, il y a des primes. Que l'État prend, même j'ai en Afrique. J'étais en Afrique, justement, j'étais fait une conférence, nous-mêmes qui l'avons caraïbe là, avec les pays africains, mal dans FIFA, fait en Mauritanie. Et puis les rivés, nous avons diamétralement discussion avec eux. Que doit-on faire avec l'argent de la FIFA? Moi, je maintiens pour qu'on finance mon championnat, pour qu'on mette avec la sélection nationale. Pays africains ont plus d'informations et développement. Parce que leur gouvernement et l'État ont un budget pour le championnat national, ils ont un budget pour les équipes nationales. Donc, déjà, nous avons un budget différent. Alors, il y a un pays qui a un pile problème. Et le problème pays, le football, la seconde, a fait en l'air, la fête en un pays, c'est normal. Pour problème pays, a tout jaillit et sous football, là, pour le sport. Dernière question, et vraiment dernière question en édition ça, Dadou. Qui le n'a pas suspendu dans les fédérations, lui-même, les gains, des voix et pauses, c'est-à-dire, il ne peut pas parler à l'émission. Et n'a pas une fédération qui suit vraiment, n'a pas des clubs qui supportent les fédérations, qui plient autour en bas, décision fédération. Nous ne pouvons pas attendre des blousailles, les élections dans la fédération, nous ne pouvons pas attendre les directeurs techniques et directeurs techniques et monde qui dans la fédération, eux-mêmes dans la bouchourie. Et ça arrive tout le temps. D'ailleurs, il y a une grosse critique, que adressé où ils toujours dit bon, Dadou c'est un monde, bon, on va s'entendre ça. On va pas capable de tout ça. Et à voix discordante, pas même 10 gens fait football. Football c'est développement, c'est formation entraîneur, c'est formation compétition, c'est dans les camps de championnat, c'est promouvoir championnat. Actuellement, tout pays dans télévision, tout pays match obligé télévisé, c'est chercher sponsor, chercher ressources. On pas quoi des gens différents. FIFA joue exactement comment pour le faire, ou pas grand pile match pour sortir. Nous-mêmes, au niveau PAN, nous estimons que
On va pas plaider dans le championnat chaque temps pour 17 à 0, 15 à 0, pour les ouais nous, ouais nous combattons. Nous pensons que depuis que nous menons Haïti dans le monde, quel que soit le domaine où nous menons là, sont nos que respectés. Et nous voulons aller dans le championnat, sont nous plus bon passer nous ou battre nous. Mais nous pas voulons équipe improvisée qui pas entraîné. Ou pas souvent des qui sélection, nous cap pas là, mais souvent des qui jouent à peu près l'un garçon comme l'un fille en 2026 cap jouer pour Haïti, m'a beau quelques noms. Je dis nous planifier à très long terme, très très long terme. Nous avons une sélection FIFA juin 2022, 2024. Quelques variantes, mais révélation. Pour gagner un homme d'un monde qui sortit du ciel, venu, non, nous planifions. Nous avons aimé que la pyramide soit plus large. C'est-à-dire que nous avons plus jeunes, à travers plus de côtés dans le pays, mais plus tout bas, ils ont des terrains. Lorsqu'on ville pour Port-au-Prince, ils ont dit 3 millions, mais moi, ils ont dit 7 millions pour gagner un terrain. Comment vous faites un pile championnat là? Green Statil 14, à un terrain artificiel, blanc autorise 3 matchs par semaine sous lit, gain ligue, gain quartier, gain canapé vert, gain tout petit monde, grand monde, au seul terrain. Et gain deux qui sous bel air, une pas fini, li pas jamais gain plus l'être, gain une mette capé ou. Les surchargés, on vient de 3 000, mal les conditions, le même nom centre d'entraînement. On dira ce que vous faites pauvre même grave, non? Côté de l'entraînement, il y a 115 terrains, oui. Bien casodés, qui traitent médicaments. Ou grand terrain. Capable ici, presque 2 millions de monde, ils sont capables de poser des problèmes, les gens peuvent poser. Moi, mon petit gars, écoute, j'ai appris la plus belle profession, j'ai eu la chance d'avoir été connu bien avant le football. J'ai dit, je me suis perdu au rame de gagner, respect de gagner, crédibilité en football. Je fais tout simplement, m'engage un bon monde qui avec nous, long processus. Chaque jour, président du club Relo, je ne pas qu'à un banc. Alors, on m'a dit, nous, là, on a dit, pourquoi ça, la communauté sportive, la communauté football, là, pas jamais impliqué le vrai, dans la production politique sportive, même en termes de proposition à l'État, c'est pour ça que ça ne jamais fait. On pas d'impression que ça fait. Peut-être que vous dites, je parle en milieu de football. Le football. Dis-nous ça, fait d'aller. Si m'djou, que mes fans discutent de boissons, de sucre pour mettre, bien que ce n'est pas job, nous. Alors, ça veut dire que est-ce qu'on a un document qui produit, un document nomique qui produit, et puis nous dit voilà la proposition de la communauté sportive? Je vais souvler, comme je ne connais pas le pouvoir, ça, mais télévision d'État, demander l'État combien de documents. Je vais vous montrer un exemple. Je ne vais pas parler plus fort. Vous songez de battre prévenir en 2013, vous savez, que le talent parlait. Il a été discuté son projet à long terme, un plan presque Marshall de développement du football. On a été discuté là avec le gouvernement haïtien. La FIFA a formé une commission, le gouvernement a été là-dedans, l'État a été là, la fédération a été là, pour qu'il y ait été là. Mais le projet est là. Mais nous pas jamais, jusqu'à la Coupe du Monde 2014, c'est que moi, un signal et mettez l'en œuvre. Et FIFA te dit là, puis de nous joindre dans les pays arabes, dans les pays donateurs, dans la Banque mondiale. Là, puis de nous joindre moi. Mais nous pas jamais cap guette un signal. Nous avons un projet où son jeune Fantino termine ici. L'empoint était discuté. Le président Jovenel te mandé lui. Et d'abord, pour aider à construire deux grands stades. Et yon dans le nord, yon dans l'ouest. Le président Jovenel te mandé trop chaud la journée. Et yon t'arrive même à te jouer en soir pour faire la vie nocturne. Bon, c'est la proposition de discuter. Le président te discuté avec le DD, le remembré football interscolaire, l'IFEL. Bon, FIFA écrit vraiment, il dit que l'adhérer pour le participer, mais le pays n'a jamais eu la sérénité. Le pays n'a pas jamais eu la tranquillité. La commission FIFA vient discuter, vient signer, vient faire mise en œuvre. Ou tout, ma prenance, nous avons un championnat U14, Caraïbes, qui était bon nous, qui a commencé en juillet, en août là. Mais il a retiré le nom, nous. À cause de situation en Haïti. Écoute, si mon 14 ans, si Canadien, si Américain, si Dominicain, si Martiniquais, après même dire, ah non, si ça Haïti, nous ne pouvons pas aller. Et actuellement, on a un match le 10, la Ligue des Nations qui va venir. C'est opportunité pour nous bien partir. C'est opportunité de rencontrer un adversaire un peu plus commode, pour nous bien commencer avec un bon score, pour nous qualifier pour Ligue 1, la Ligue des Nations. Mais écoute, chaque jour, m'a répondu tout dirigeant, Jean-Baptiste sûr, Yves sûr, que nous venons en Haïti, nous venons aussi. Faut nous samedi, il y a un pays qui tourne vers. Alors, quelle okay, équipe là? Pour nous qualifier, pour nous montrer que nous sommes capables, pour nous montrer que nous avons talent. Et je dis, bon, football pas, il y en a plus deux.
Nous pas sûr que nous avons dit 1 et 1 plus 2 que nous allons gagner. Mais nous avons des équipes derrière qui sont encore plus fortes et qui sont capables de arriver dans le même niveau. Ils n'arrivent pas qualifiés. Mais nous pas ridicule, n'a pas bon niveau. Mais regardez l'école là. Nous 5 ans, 6 ans que l'éducation nationale n'a pas payé professeur. Coach, pour qu'on ait des problèmes internationaux énormes avec l'État qui est engagé pour payer Kotio. Je ne pas jamais payer Kotio. Donc, nous cap discuter de beaucoup de choses, mais écoute, moi-même. Alors, parlez en pile d'adou, Nabgui, c'est ça. Non, alors, parlez de critique, moi, je dis, mon Dieu, écoute, son secret, il y a beau le mettre dans le football. Des remportes ou pas pour vous. Non. Son secret, il va accepter. Bon. Ou passionné ou fait li, ou engage un paquet de monde là-dedans li, ou pour un bon dirigeant de club qui pas bon entraîneur yo, et pour sentir que ou capable d'aider, ou capable d'aider en sorte que la débat FIFA, si m'a pas de compte moun yo, m'a pas parlé de l'eau, ou senti qu'il faut baïté tout. Et puis, pas seulement en politique ou en gros job pour baïté tout, qu'a fait, mais écoute, 4 centimes pour aller manger chaque matin. Ça va bien. Chaque dimanche, tu sais combien que coûte le championnat national. Chaque vendredi, ou pas qu'à dormir. Depuis le vendredi, ou pas qu'à sommeil. Il faut 600 000 gouttes pour chaque jour de championnat. Quand vous voyez habit, vous voyez commissaire, vous voyez. C'est pas un plaisir, c'est pas un cadeau. Et j'ai l'impression pile le monde qui a il met le pas bali. C'est parce que dès que la connaît que pardon il est là dedans. Alors Haïti 360 et vraiment grand pile parole nous connaît la dou et là nous toujours grand pile parole pour parler. Yeah. Et c'est bien dommage que nous pas assez de temps pour nous parler tout causer okay. Même parce que nous traversé problème, nous traversé football féminin et football là d'une manière générale, dans profondeur du côté nous t'ai gardé qui gros problème football là traversé et performance mesdames yo qui s'acte cause que yo t'ai arrivé là parce que c'est pas en les sorti le tomber comme ça fait on suite en condition idéale là que vous avez évolué mais grand pile fort est fait pour te mettre au niveau ça n'a bien pour nous parler sport en émission ça toujours parce que dans construction l'histoire sport, mais si allô sport c'est problème non c'est convaincre jeune imaginez nous voyez des alors, équipes nationales alors faut finir fini. Non mais faut me dire voyez nous voyez des équipes nationales yo Chicago yo New York yo Miami yo en France malgré les sirènes des parents dit yo rete si nous croyons réussir ou j'aime donner des paroles footballeur pas sauver, footballeur pas tourner. Parce que yo, ouais, quoi, justement, ça son et pour ton pays, il y a une vie mal. Justement. Ça montre que Mounio, faut commencer à faire quoi? Haïti 360, nous revenons en bout. N'a pas pour nous parler de sport encore en émission là. N'a pas cassé rendez-vous pour une prochaine édition parce que construction l'histoire avec parole éclairée, c'est en émission ça. Nous avons parlé plus bien, donc il y a intérêt pour continuer de brancher. Rendez-vous cassé pour une prochaine édition. Merci tout le monde.